Bonjour à tous, mesdames et messieurs. L'encodage est en surcharge parce que. Merde, fuck. On est sur Destiny 2 et il y a des trucs qui sont arrivés actuellement. Moi, d'habitude, je voulais pas. Je voulais, enfin, commencer à reprendre les vidéos dès qu'il y aurait des trucs intéressants à faire. Parce que là, je vais pas vous le cacher, quand sur Europe, on a quoi? On a des secteurs oubliés en légende. Bon, bah voilà, quoi. C'est pas non plus le truc incroyable du cul, quoi. Et c'est des le défi de Varinix, machin, c'est des contrats et des chasses d'Elixni. Mais du coup, des chasses de l'Empire, machin, tout ça, c'est des trucs qu'on a déjà fait en fait dans la campagne, c'est juste qu'on refait les missions. D'habitude, bon voilà, mais en fait, apparemment, Osiris, il a besoin de notre aide sur la Lune. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite aller augmenter le son, parce que je l'avais rebaissé. Tac, 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 tac. Et là, maintenant, on est reparti, j'ai envie de dire. On va aller sur la Lune. Il paraît qu'il nous cherche. Piste de la pro. La pro. J'ai changé mon micro d'endroit, du coup, peut-être que vous allez percevoir une différence. Ou peut-être pas. Je vais augmenter. Peut-être pas 6, 5, c'est pas mal. Un problème se présente. Oh, ok, pas du j'ai tout. besoin que vous le régliez. Ok. Ces dernières semaines. Osiris a essayé d'évaluer les dégâts causés par le retour des ténèbres. Il pense que Xivu Arras, déesse de la guerre de la ruche, cherche à tirer profit de la place libérée par sa disparition. Osiris enquêtait sur les manifestations physiques de la magie de la déesse au Bastion Écarlate, quand Sagira, son spectre, a été tué. Ah, merde. Osiris a transmis un message par un canal sécurisé demandant à ce que vous l'aidiez dans sa quête. Il est désespéré. Vous devez le sauver de lui-même. Putain, mais attendez, mais Ah ouais, comme ça. Ok. Je m'inquiète pour Osiris. Si Sagira n'est plus, alors... Parlez plus doucement. Ah, j'utilise un excommunicateur externe. Je pensais traquer le meurtrier de Sagira, le haut célébrant de Xivu Arras. Mais je crois désormais que c'est lui qui me traque. Ah. Retrouvez-moi au hall de sagesse. Je pensais qu'il était piégé avec moi, mais j'étais piégé avec lui. Nous devons nous dépêcher. Mais ouais, mais aussi, bon, gros nul. Putain, mais vous êtes en train de me dire qu'il y a un personnage. Il y a un personnage de Destiny 2, il faut que je fasse de la merde avec mes graphismes parce que j'ai fait de la merde, parce que putain de merde, merde. Votre ami est en grand danger. Ah, bonjour. Un spectre inquiet. Osiris ne devrait pas être là, surtout dans son état. Merci pour l'avertissement, mais nous savons ce que nous faisons. Si votre gardien et vous êtes là pour nous aider... Mon gardien, ah oui. Ah, c'est lui. Excusez-moi, je me suis fait spoiler. Excusez-moi. Vous nous entendez? Bon sang, une barrière vient d'apparaître. Je crois qu'il sait que vous êtes là. Oh bah merde. Putain, sérieux, j'ai loupé deux, trois fois. C'est fort. C'est pas eux que je cherche à taper avec le pompe. En fait, c'est toi. Merci. Oh putain de merde. Hop. J'ai pas le set d'armes le plus compétitif. J'aime bien les arcs de base, mais... Allez, quoi? Fous ma gueule. Ah, excusez-moi, je ferme tout ça. Ok, let's go. Donc, ah, c'est toi. L'énergie étrange émane de ce chevalier. Il doit être le haut célébrant, celui qui a tué Sagira. Osiris, nous sommes là. Nous allons abaisser cette barrière. Putain, mais Sagira qui meurt en flanc, quoi. Pas de cinématique, rien du tout. Ah, ça fait bizarre. Après, je crois qu'il y a pas mal de personnages qui sont morts dans le... Quand on a supprimé les planètes, il faut que je rentre dedans ou ça me fait mal? Aucune idée. Bah, ça me fait pas mal. Tac. Mais bon, on s'en sort bien là. Ouais, je vise. Oh fuck. Oh non, pas vous. Hein. Il m'a pas vu. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ok, je vais la suivre.
Elle a réussi à louper des gens. Non, c'est bon. Okay. Oh fuck, je vous ai pas vu vous. Oh, on est dans la merde. Très bien. Ok. Sérieux, j'ai pas. Hein. C'est bon? Ah non. Et ra! Célis, il vient vers vous. Bien. Bien. Je me suis replié plus loin dans le temple. C'était peut-être un piège. La tour que vous avez vue en venant, c'est un cryptolite de la ruche. Un conduit pour les ténèbres. Un ah. Parmi bien d'autres. Le haut célébrant s'en sert pour déployer des soldats venus de diverses dimensions. Bonjour. Comment ça? Vous le lui direz vous-même. En fait, il t'a demandé de dire s'il n'en sortait pas vivant. Je pense qu'il va pas le dire s'il s'en sort. Meurs. Meurs. Non, je voulais sauter. Oh, pourquoi elle a mis 3 zones en même temps? Ah, parce qu'ils sont 2. Elles sont 2. Ok. Et vous êtes combien en fait? Mais on voit rien avec vos conneries! Ah bah let's go! En 16. Du bleu. Et merde. Mais c'est bon là! L'écran de fumée, bordel, on est où là? Vous êtes des ninjas? Ah mais toi t'étais pas morte, merde. Oh, tu me fais chier. C'est barré. Oh, je vais vous glacer le cul. Et mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah c'est le petit Mister Freeze. Y'a des gens encore là? Oh fuck, c'est bon, ça va. Y'a des gens derrière moi, moi. Alors. Monsieur le haut célébrant! Bonjour monsieur. Mais pourquoi on est dans la... Pourquoi on est dans un endroit corrompu là? Au revoir. Qu'est-ce que... Oh non hein. Ah non. Ah pas comme ça hein. Eh toi viens là, là. Enfoiré. Ah. Ah bonjour. Ça va la glace? Wow. Allez, c'est maintenant! La surprise! 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 Vous voilà! Enfin! C'est fait? Je viens vers vous! Que l'endroit était dangereux, surtout sans spectre. Je suis heureux de vous savoir en sécurité. Je suis lueur, au fait. Heureux de vous rencontrer. Allez-y, présentez-vous. On m'appelle le Corbeau. Mon chef veut vous voir. Et si c'est vrai, c'est lui! En chair et en os. Mais en fait, c'est pas vraiment lui, mais c'est lui. En fait, faut se dire que c'est lui, mais que en fait, ça l'était, mais c'est plus. Mais c'est, en fait, c'est lui de retour. Non, mais vous allez, dès que vous allez comprendre, ouais. Non, parce que. Non, mais. En fait, ça fait sens. Il faut. Bon, ils vont vous expliquer. Je vais pas vous spoiler comme ça. Ah, il faut que j'aille voir quelque part, c'est ça. Ah, bah là, du coup. À l'araignée, bah bien joué. Alors on va parler à l'araignée. Aïe.
Alors. Oui. Donc. Aïe. Non, ça m'apprendra à sauter trop haut. Encore. J'adore faire des bunny hop, désolé. Encore. Ah bah bonjour monsieur. Qu'est-ce que... Je croyais vous avoir dit de m'amener aux Osiris. Expliquez-vous. Osiris. Il a perdu son spectre. Il est rentré à la tour pour récupérer. Les porteurs de lumière ne cesseront jamais de m'étonner. La violence, pas de problème. Mais la perte. Des tueurs fragiles. C'est ça, on est des snipers. Nous finirons ce qu'il a débuté. Et c'est quoi ? Venger Sagira. Éliminer le haut célébrant. J'aurais pu la voir si votre ami n'avait pas dû être sauvé. Chez. Vous oubliez votre place, petit oiseau. Excusez-moi, Baron. Reprenons. Nous nous aiderions mutuellement, c'est ça ? Je connais votre efficacité pour les vengeances. Si vous, Arat, utilisez son haut célébrant et ses fichus kryptolites pour corrompre les élixnés. Les cabales aussi. Les chopères soldats et l'humaine par skiff entier. C'est exact. Je sais ce que faisait Osiris sur la Lune. Je sais aussi que vous serez plus efficace avec la bonne motivation. Laissez-nous, le corbeau. Nous devons discuter des détails. Au revoir, monsieur Corbeau. Donc, allez, répondre, dis-nous. Ce petit oiseau n'est pas banal, pas vrai. J'imagine que vous partagez mon goût pour le cruel sens de l'humour du destin. Je l'ai trouvé errant sans but au récif, tel un détritus balayé par les vents, sans souvenir du prince qu'il était. J'aurais pu l'envoyer à la tour, mais on sait tous ce qu'il attend là-bas. Je pouvais pas faire ça. Alors je l'ai accueilli, par gentillesse. En ce qui concerne sa loyauté, j'ai pris quelques précautions. J'ai fait des modifications à la coque de son spectre. Ah. S'il s'envole trop loin du nid... Boum. Maintenant que c'est dit, concentrons-nous sur l'essentiel, l'infestation de la ruche. Je propose un partenariat. Vous allez faire ce que vous faites de mieux, et je vous prête les ressources nécessaires. Et peut-être même un petit truc en plus. Ah. Mais ne mentionnez pas le nom d'Uldrensov. Pour son bien. Alors, est-ce qu'on va avoir les explications ? Oui, voilà. Donc, Uldrensov a ressuscité parmi les gardiens et se fait désormais appeler le Corbeau après s'être vanté d'employer l'ancien prince. L'araignée propose de collaborer à l'élimination de l'infestation de Xivu Arat et offre les services du Corbeau. Parlez au Corbeau pour en savoir plus sur la manière d'attraquer des forces de Xivu Arat. En gros, c'est ça. Il y a un spectre qui était là, qui a fait... Oh tiens, un cadavre d'un mec. Oh là là, bah tiens, je vais le ressusciter. Un peu comme ce que nous, on a fait. C'est-à-dire que notre spectre, il nous a trouvé dans le cosmodrome sur Terre. Bah lui, c'est pareil. Sauver Osiris de la ruche et de lui-même. Ouais, let's go. Donc, en gros, c'est ça. J'en profite d'ailleurs. On a mis l'araignée. On va faire des affaires. On va faire des petites affaires. Alors ça, c'est bien les éclats légendaires. Hein. Ça, on est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Merci beaucoup. Donc,
Ah oui, alors déjà, tac tac, et alors lui il est derrière, c'est pour ça, j'avais vu une zone à cet endroit-là, mais on m'avait rien dit du tout, donc j'avais vu ça et c'était vide. Maintenant il y a lui. Le ciel du récif est percé, et le système est en proie au chaos. Et bien sûr, c'est le moment qu'a choisi Xivu Arat pour corrompre une armée. On les appelle Kourousséens. Beaucoup sont Elixni, comme l'araignée. D'autres. L'araignée veut que le Lumen afflue, déesse de la ruche ou pas. Il veut que je vous aide à éliminer le haut célébrant de Xivu Arat. Apparemment, les gardiens de la dernière cité seraient de vieux amis à moi. Mais je ne me souviens pas de vous. J'ai trouvé des artefacts de la ruche inutiles chez l'araignée. Et j'en ai fait un appât. Les Kourousséens se jetteront dessus quand ils mordront. J'aurais aimé faire autrement, mais sa magie les a rendus fous. Les traquer est le seul moyen d'affaiblir la position de Xivu Arat à la côte. Comme dit l'araignée, la violence est la seule langue que parle la ruche. Ah, c'est beau. Ah oui, sinon... On abattra le haut célébrant dès que possible. Ça stoppera la corruption de Xivu Arat. Ne le prenez pas mal, mais c'est agréable de travailler avec un porteur de lumière. Agréable. Pourquoi je devrais le prendre mal? Bref. Mais du coup, oui, vous vous doutez bien qu'un gardien qui s'appelait dans sa première vie Uldrensof. C'est-à-dire le mec qui, bon, normalement, bon, vous m'avez, voilà, c'est vrai que techniquement, vous ne pouvez pas, c'est vrai que je sais pas se montrer sur la chaîne l'extension Renegade, donc vous pouvez pas vraiment savoir qui c'est, lui. Normalement, si vous suivez Destiny, que vous avez fait les campagnes, vous savez qui c'est. J'espère que ce sera pas du spoil, d'ailleurs, si je vais essayer de pas spoiler non plus, j'ai oublié de le dire, mais on est censé le connaître, lui. Lui, il ne se reconnaît pas, mais lui, nous, on le reconnaît. Et c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il a fait, bon, pour pas trop spoiler, il est pas... ça fait que même s'il a plus de mémoire et que c'est plus vraiment le même, il va pas avoir des copains à la tour. Il va peut-être pas en avoir un seul, en fait. Les sbires de Xivu Arat sont une menace pour les affaires de l'araignée à la côte, et ce dernier veut que vous vous en occupiez. Le corbeau a bricolé un appât à partir de vieux artefacts. Ouh là là, je suis tellement de la merde. A bricolé un artefact... Ouh là là, un appât à partir de vieux artefacts de la ruche. Forcément que tu peux pas... Bref, celui-ci semble efficace pour attirer les Kourousséens de l'armée corrompue de Xivu Arat. Obtenez l'appât dans l'atelier du... Oh, stylé sa mère. Ah bah dis donc. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Ah, on va traquer des Kourousséens. Ouais, nombre limité, 10 000 semaines, ok. Ah, ça c'est moi ça. Ça c'est ce que j'ai eu dans le truc, ok. XP. Okay, d'accord, très bien. Et ça, c'est rien, aucun des deux, ok. Et du coup, si je fais ça... Ok, très bien. Et ça, c'est quoi, du coup? Je peux en avoir un. Bon, la quantité de données de reconnaissance obtenues dans les tracts de Kourousséens, ok. Très bien. Et je peux en mettre un autre, ok. D'accord, très bien. Bon, allez, hein. Je regarde absolument pas. Et après, voilà, on fait ce qu'on... On fera ce qu'on peut. Quoi? Obtenir l'appât, let's go. Ah, c'était ça, ok, parfait. La configuration de l'appât pour une traque de Kourousséens requiert une charge d'appât. Pour obtenir une telle charge, apporter l'appât à l'épreuve au gambit ou dans les assauts. L'appât débute partiellement chargé et on doit le charger après. Ok, très bien. Vous me pétez les coups. Mais ok. Ah, on est déjà à 66. Ok. Effectue ces actions bonus dans les assauts pour accélérer le processus de charge. Avec des cryo électriques. Ouais, avec n'importe quelle capacité, ok, d'accord. Très bien. Tant bien parce que moi je dois faire ça aussi en même temps. Donc ok. Par contre, je suppose que les dégâts cryoélectriques ne sont pas des dégâts stasiques. Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Fusil automatique, allez, let's fucking go. Bon, c'est moins gros, mais bon, on va faire avec ce qu'on peut. Et 1203, allez, c'est pas non plus trop bas non plus, donc ça devrait aller.
1204, c'est de la merde. Et 1205 contre 1206, bon, on va enlever celui-là peut-être. Ouais, c'est ça. Je le garde celui-là. Ok, très bien. Bah écoutez, bah, faisons un assaut, j'ai envie de dire. Mais quel assaut, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce qu'on referait pas un assaut celui d'Europe, tiens. Comme ça, au moins, on fera du nouveau contenu que dont je me suis pas entièrement lassé encore. Et moi, je bois de l'eau en ce temps. Ah là là. C'est vraiment un plot twist intéressant. Parce que c'est le fait d'avoir un ennemi, parce que bon, vous savez que c'est un ennemi, qui se fait ressusciter après être mort par un spectre, et qui du coup, vu qu'il a aucun souvenir, bah c'est un gentil. Et que du coup, tu peux te dire, ah mais du coup, est-ce qu'on peut l'empêcher de devenir un sac à merde en le gardant dans la voie du bien, j'ai envie de dire. Ça, ça pourrait être intéressant. C'est un truc qui n'a pas été exploité encore dans l'univers de Destiny 2. Ça a bien évidemment déjà dû exister dans quelques œuvres de fiction. Mais dans l'univers de Destiny 2, c'est pas encore arrivé. Et du coup, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Hein, en gros. Putain, c'est la première fois que je vois un mec avec le même vaisseau que moi. Oh. C'était pas censé arriver. Incroyable, regardez-moi ça. En vrai, c'est vraiment le meilleur vaisseau, je veux dire. C'est le vaisseau du BM. T'imagines, t'es là, t'es tranquille avec ton vaisseau. Et là, tu croises un mec qui a le vaisseau de ta faction. Ouais, non, pourquoi je fais ça, en fait? Bon, elle est là. Hein. Tu vois un ennemi avec le même vaisseau que celui de ta faction, mais avec des couleurs différentes. Genre, c'est un peu comme si on... Tu croisais un ennemi à la guerre qui avait pris l'armure de tes potes et qu'il avait recolorié, quoi. On est vraiment sur un truc du genre... vraiment, c'est de l'humiliation, quoi. L'humiliation incroyable. Alors... Oui, je vais continuer à bunny hop toute ma putain de vie. Hein. Allez, dégâts électriques, c'est parti. Alors, c'est pas les larmes qui va faire le plus de dégâts à la planète, hein. Mais bon. Ah bah tiens, on peut tester avec cette arme là, vu que vite fait d'ailleurs. J'ai une nouvelle. Regardez-moi ça. Oh. Jacarina. Ça m'a l'air assez stylé comme revêtement d'armure. J'ai l'impression que je vais le foutre partout. C'est dommage qu'il y ait un peu de bleu quand même. Bon, ça c'est normal. Je crois qu'il y a des parties de l'arme qui sont pas coloriables. Mais il y a aussi un peu de bleu qui est donné à cause du revêtement. Je crois que c'est genre la couleur tertiaire ou autre chose. Mais en vrai, ça fait un petit noir et un blanc vraiment très mat. Ils sont très très stylés. Après, le problème, c'est que là, il n'y a pas énormément de lumière. Donc, on va pas aussi bien le voir que dans d'autres environnements. Allez. Oh, dommage. Je pensais que ça allait... J'aime bien des simulations. Je suis même pas sûr d'en avoir déjà eu, ça. Allez. Oh, c'est le nombre de munitions gâchées à pas tirer dans la tête, quoi. Il ne fait pas de frag de précision. Quel traître. Félon. Tu es un pêcheur. A sinner. C'est vrai que sinner, c'est vachement stylé. Vachement plus stylé que pêcheur, quand même. Oh, c'est vraiment stylé. Oh, putain. Eh, j'ai esquivé, monsieur l'arbitre. Alors, calmez-vous, messieurs, dames. Allez. Ça m'a pas touché, monsieur l'arbitre. On esquive. Ah, il reste lui, là, encore. Heureusement que c'est un assaut, mais que je suis tout seul, quoi. Allez, viens là. Ah, c'est vrai que c'est un fusil à pompe, lui.
Parfait, bien vu. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé, ça s'est vu. Regardez-moi ce saut périlleux. C'est bon. Ah, ça arrive. Ah bah il a ma grenade, tiens. Ah parfait. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boss dans cette dans cet assaut là, parce que du coup on va affronter des boss à chaque nouvelle zone quoi, globalement. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez-le, il est si lent. Il me ralentit à chaque fois. Il prouve bien que je suis plus rapide que lui d'ailleurs. Allez. Et voilà, ça recommence. Encore à réparer les dégâts de Clovis Bray. Où qu'il soit maintenant, je suis sûr qu'il se moque de nous. C'est à cause de lui que tout se passe ici dans un premier temps. Dans un premier temps. Les ténèbres lui ont dit de construire le portail. C'est de sa faute si les Vex sont arrivés et si autant de gens sont morts. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'en empêcher. Mais ce n'était pas assez. Oh. Ce n'est pas la peine de ressasser le passé. Toute aide est précieuse. Vous avez fait bien plus que d'autres. Et ce n'est que le début. Petite lumière. Petite lumière, c'est mignon. Ce que je voulais dire aussi, parce que quand même... ouais, alors, comment dire... dans la première... En première place, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est une mauvaise traduction. Je crois que vous vouliez sans doute dire in the first place. Dans un premier temps, peut-être, c'est comme ça qu'elle avait dit. Et c'est vrai que c'est une expression qui est assez difficile à traduire en fait. Parce que c'est pas non plus dire depuis le début. Si, ça peut peut-être un peu dire depuis le début. Mais ça, dans ce contexte-là, c'est pas ultra utile. C'est à cause de lui que tout ceci se passe sur Europe depuis le début. C'est un peu bizarre, parce que c'est pas vraiment ça non plus. Ça a une signification un petit peu différente quand même. C'est un mélange entre depuis le début et de toute façon. Donc c'est un peu bizarre d'expliquer comme ça. Mais... Alors. Tac. Mais ouais, du coup, bon, c'est... C'est pas forcément une mauvaise traduction, mais j'aurais pas fait ça. Quoi. C'est un choix de traduction contestable, mais de toute façon, on n'est plus dans la mauvaise et dans le bon choix de traduction. C'est juste que on peut choisir de traduire différemment. Quoi. Les mecs sont quand même payés pour faire leur taf. Je pense qu'ils en savent un peu plus que moi. Du coup, oui, on va utiliser tout cette arme tout le temps, hein, même si on la voit pas énormément à cause de ce revêtement, du coup. Et du coup, peut-être que si on la voit mieux, pas, c'est mieux. Vraiment. Parce qu'avoir un vieux revêtement bleu clair bizarre comme ce qu'il y avait, bon. J'emmerde un peu quand même. Ah, let's go, mes meilleurs amis. D'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que depuis l'extension sur. Bah, du coup, là, la lumière, j'ai vraiment l'impression que ces petits robots sont beaucoup plus rapides. Allez, c'est parti. Ah, bah, dis donc, il y en a des gens. Hein. Ah bah bonjour. Vas-y, reste dedans un peu vite fait. Mais il est parti où? Ok. J'ai tendance à tout le temps recharger. Tout le temps. Ok. Ça y est, bah c'est terminé d'ailleurs. Ça y est, on a chargé entièrement. C'était dur. Hein. Oh, sa mère la plume. 1, 2. Pourquoi je vise pas? Non, mais ça me snipe là. Mais wesh! Regardez. Je. Regardez-moi ça.
Je t'y bague pour esquiver les tirs de sniper. Est-ce qu'on peut... Ouais, on va continuer quand même. Bon, on va quand même ouvrir quête parce que sinon il va arrêter de me faire chier. Ouvrir l'écran des appâts. Ouais, ok. Et on peut insérer un mode dedans. Ok. Attirer sa veille. Cache KD1. Cours océan. Déchu. Oh, déchu, c'est stylé quand même. Voilà. Non mais c'est bon. Non mais laissez-moi tranquille. Oh putain de merde. Ah bah let's go. Ok. Bah allez-y les gars, 2 secondes hein, pendant ce temps. Donc, ok. Donc là, on a atterri un... Non. Là. Bon, là, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Ok. Et là, c'est pareil. Ok. C'est bon. Non. Un marqueur de quête. Ok, très bien. Très bien. Ok. Et après, on pourra lancer la chasse. Ok. Bah, très bien. Bah, non, pendant ce temps, on va charger tout ça et on va terminer cet assaut. Et après, on va voir ce que c'est. Là, on fait... Oh là, les tout petits. Oh, merde. Alors, on va se mettre là. Ouais, je pense que c'est la bonne position là. C'est le bon endroit. C'est pas le bon endroit. C'est bon. Il me fonce dessus. J'avais oublié. Ah, vous êtes glacé, Mister Freeze. Et toi là. Eh. Va te faire cuire un œuf. Oh mon dieu, il s'est retourné. Il me fonce dessus. Alors attendez. Allez, vas-y. Let's go. Aïe. C'est pas possible. Sérieux, laisse-moi tranquille quand même. Ya. Yeah. Ok. C'est parfait. Laisse-moi tranquille. Y a pas d'une hydre ici? Non, parfait. Ok. Et tac. Salut, c'est Wam. Ok, c'est bon. J'ai mis le chargeur entier. Ok, un tiers de fait. Ulule barba truc. Qu'est-ce qui... Bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, bah, au revoir. Je t'y bag. Ah non, mais pas vous. Attends que je détruis pas cette saloperie de Wyvern, je peux pas continuer. Elle va toucher. J'ai fait exprès pour qu'elle me touche pas. Ok. Elle est où cette hydre titanesque, j'ai envie de dire. C'est toi. Je te fais pas de dégâts du tout. Voilà, meurs. Ah bah au revoir madame. Y'en a pas derrière moi. Non, ça c'est une tornade. Ah, y'en a un qui en a eu marre là. J'ai ça mais je vais pas tarder. Hein. Allez, tiens. Au secours. Parfait. Non, pas parfait en fait. Pas parfait. Parfait. Je pensais que c'était le l'hydre qui me fonçait dessus. Et toi. Un. Mais putain. Fuck. Oh mais tu peux te barrer s'il te plaît. C'est pas toi que je cherche. Tiens. Oh putain, il tourne bien le con. Et je m'y attendais pas. Hop. Tiens. Putain mais sérieux, je vais pouvoir régénérer un de ces quatre quand même.
tiens, j'ai loupé. Et tiens. Oh fuck, oh fuck. Oh c'est bon. J'en ai marre. Hop, je vais ski, je vais ski. Ok, merci, bonne chance. Ok, parfait. C'est bon. Ah, oh, si j'ai pas nettoyé les stèses un peu quand même, là, ça fait... Tiens, 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 tiens. Ça va bien, deux minutes, là, quand même. Ah, il me fonce dessus, il va si vite, il va si vite. Tiens. Ah mais je peux pas passer par là en fait. Excuse-moi. Je fais tellement pas dégâts. Et paf. Ok, let's go. Ouais, il faut que je le tire dessus. Let's go. Ça serait sympa ça. Allez, glace. Et lui, il passe pas derrière. Mais qui fait ça? Et du coup, je suis en. Il y a tout croisé. Ah, mais il a presque plus de vie. Attaque! Aïe. J'avais pas vu qu'il était en bas. Je pensais pas que ça allait arriver. Merde. Allez, la cassez-vous maintenant. Nous sommes saufs pour le moment, mais ils reviendront. Vous savez où nous trouver quand ce sera le cas. En effet. Parfait. Encore merci. Bien joué à tous. Attendez. Essayez de. Ok, 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 ok. Oh, oui, let's go. Let's go. Oh, let's go. Déclare une pénalité. Oh, let's go. Ah merde, il faut que j'appuie sur H. Vite, pour pas avoir l'écran de titre de merde. C'est bon. Donc, alors, maintenant. Déjà, j'ai trouvé une quête. Non, j'en ai pas terminé une. Il y a ça. Ça c'est non, ça on l'avait déjà fait. Il y en a un là que j'ai fait. C'est mais celle-là, mais il y en a une autre. Il y en avait une autre. Elle a disparu. À moins que. Il faut que j'aille là-bas. Oh putain, il faut que j'aille la voir. Bah deux secondes, on va la voir et ensuite on fait la fête et tout. De toute façon, on peut se permettre de faire des épisodes plus longs. Ça y est, on a terminé la campagne et tout. Bon, c'est des prolongations, j'ai envie de dire. Là, c'est le pass saisonnier, hein. C'est pas le contenu de l'extension. C'est le contenu du pass. Qui est différent, bien évidemment, du coup. Parce que ça, c'est un contenu où on va plus nous demander de farmer comme des malades plutôt que de une mission incroyable. Enfin, genre une série de missions avec des quêtes et tout. Et... Qu'est-ce que je fais? Elle est juste là. Voilà. Non, madame. Oui, je veux monter sur le passereau. Oui. Casse-toi, putain. Merci. Oui. Alors. Bénéficie d'une bonus de dégâts d'armes après avoir gelé une cible avec la stase. Ok. Augmente les dégâts et la taille de l'explosion de stase lorsque vous détruisez un tricycle de stase. Ok. Vaincre des cibles ralenties ou gelées vous confère de l'énergie de capacité de doctrine. Le ralentissement dû à vos capacités dure plus longtemps. Toutes les capacités qui persistent durent également plus longtemps. Éliminer des cibles gelées avec des armes vous confère de l'énergie de super. Et briser un cristal stasique augmente temporairement la vitesse de recharge de vos grenades. Briser des cristaux saliques supplémentaires augmente la durée de ce bonus.
Ok. Alors ça c'est stylé, globalement. Ça c'est stylé. Ça c'est stylé parce que ça donne de l'énergie en même temps. Ça donne de la force en même temps. Donc ça donne de l'énergie, ça donne de la force. Ça donne rien du tout. Ça donne rien du tout. Ça c'est stylé, mais on en a pas forcément besoin. Ça c'est intéressant. Ça nous donne de la force en plus, donc c'est stylé quand même. Et ça donne de la résistance en plus. Ça nous permet d'augmenter la recherche. Ah! Parce qu'en fait, ça, ce qui est intéressant, parce que ça, à la limite, bon, ralentissement, capacité, ça dure plus longtemps, ok, d'accord, ça dure plus longtemps, mais c'est cool. Mais genre, il n'y a pas de synergie. Là, ça, je pense que ça a une meilleure valeur, parce que déjà, un, ça nous augmente les stats, mais en plus, ça nous fait qu'en fait, si on brise un cristal, donc qui est provoqué par les grenades, ça augmente temporairement notre vitesse de recharge de nos grenades. Et du coup, vu qu'on a la grenade plus longtemps, enfin plus rapidement, et bien on peut la relancer et donc remettre des cristaux statiques et donc recharger encore plus. Donc ça marche mieux. Honnêtement, je vais prendre celui-là. Merci l'exo inconnu. Merci. Alors, un premier fragment de ça. Alors il faut l'équiper comment ? Là. Équiper vraiment. Alors, les aspects fournissent des emplacements de fragments quand ils sont équipés. Ok. C'est fait. Donc voilà, c'est ça. Et donc j'en ai 3 globalement là. Ok, sachant que je pourrais peut-être en avoir plus vu qu'il y a ça là quand même. À moins que ça ait juste été matché là, la longueur. Ah mais ils auraient pas été obligés de le faire. Moi non, moi il y a moyen que. Il y a moyen que je peux au moins en mettre 3 quoi. C'est sûr. Peut-être que je pourrais en mettre plus après, mais bref. Il y a des aspects, des fragments, là il y a des compétences, ok. Intéressant. Et donc ça donne 2200, ok. J'ai envie de des simulations. Donc apparemment, j'ai déjà eu ça. Monde. Faction. Non. Des simulations. Bon, pourquoi j'entends l'araignée ? C'est des ornements, ça. Ouais, c'est dans le monde, hein, globalement, normalement. Ah, mais on est dans Titan, putain, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on me monte dans Titan alors que je suis un arcaniste ? On met dans Titan de base. Simulation. Ah, oui, là, là. Ah, oui, d'accord, oui, non, mais ils sont dégueulasses, ok, très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Le 16ème Séraphin, il me manque le torse. Putain, c'est chiant d'ailleurs, je sais pas voir ça, bref. Robe du souverain, bon, bah ok quoi, mais bon, c'est pas incroyable. Et ayant le termion du solstice majestueuse, bien sûr. Bon, j'ai pas eu le dernier niveau, mais voilà. Ok, c'est parti. Alors, le courroucéen, là, placez la pas près du cryptolite pour lancer la chasse. Ok, donc c'est certainement dans la côte enchevêtrée. Ouais. Là, et bah à l'attaque, et on va faire de la bouillie de déchu. Globalement, c'est ça. C'est ça le thème. Du coup, je peux remettre mes capacités suffisamment. Enfin, beaucoup plus puissantes en gros, globalement. Mes capacités supérieures. Et mes armes d'une qualité, bien évidemment, également supérieure. Ça me fait chier quand même que mon meilleur arme soit un arc de combat parce que c'est chiant. Surtout que c'est la vitesse de tir et je m'en fous la vitesse de tir. Non, quoique, en fait, je m'en fous pas du tout. Au contraire, c'est vachement bien. Je dis ça, mais c'est bien en fait. Ouais. Bon, vas-y, j'ai que ça à foutre. On va. Quitte à mettre un arc à fond, si c'est la vitesse de tir, autant mettre un à fond et celui-là. J'en aurais pas assez. Mais bon, c'est pour aller plus. C'est autant tous les mettre, quoi, comme ça, voilà. Je vais pas me poser la question. On a 8. Ça va, quoi. On a 655. Ça descend, on s'en fout. Ok. Ouais, ça va, c'est ok. Allez, fonçons. Vroom vroom, comme on dit. Ok. Oh, regardez-moi ça. Comme un pro Destiny 2, on n'attaque pas les creeps, les mobs. Oh putain, mais c'est dégueulasse. C'est si dégueulasse. Mon dieu. On dirait un truc tout droit sorti de Devil May Cry.
Ah, carrément, il est déjà là. Vous avez du mal à trouver un coin où vous asseoir tranquille pendant qu'on se tape tout le boulot? Un perchoir en pierre, monsieur, amplement. Eh bah écoutez, monsieur, niquez vos races. Ah mais vous pouvez pas. Let's go. Personne ne veut de vous. Allez, dans ta race. Ah, il y a des bros. Des bros viennent m'aider. Je vais te... Ah non, il sait... Non, je vais pas. Allez, tiens. Il s'enfuit. Débutons la traque. Observez et prenez-en de la graine. Ok, on va où? On va où? On va par là. Ok, d'accord. Ok, il y a des empreintes. Let's fucking go. Il m'a montré la voie. Mais du coup, il est plus là. Ok. Bon, je sais à peu près où il est. Hein. On va s'arrêter là dans pas longtemps. À moins que... Ah non, on est pas censé s'arrêter. Bah ok. Je pensais qu'on allait s'arrêter à la droite. Ok, parfait. Heureusement qu'il y a des petites traces d'intervalles réguliers quand même. Il est sympa. À la limite, ça pourrait être un peu irrégulier quoi, les gars. Merde. Là, c'est exactement... Il y a genre 10 mètres. Allez, à droite. C'était pas à droite. C'est pas eux. À droite. C'était à droite. À gauche. C'était à gauche. Aïe. On poursuit. Oh! Je vais le voir. Une cinématique? Attaque alors. Je vais ici. Aïe. J'ai pas réussi. Ouche. Allez, on continue. C'est bien dégueulasse tout ça. Paf. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Ils veulent absolument pas qu'on se fasse aider pour cette partie de la quête. Le chaudron. Bonjour. On va attendre un peu. Voilà. Hop. Allez, plaçons la pas. Oh putain de merde. Ah, y'a plus de vie. Ah, regardez-le, y'a plus de vie. Je vais louper. Attends, je vais. En fait, pourquoi je mets pas sur lui en fait? Parce que ça marche pas. Tiens. Mais il va crever. Ben voilà, ben bien joué à tous. Ah! Un courroucé encore plus un peu. Ah! J'ai rien dit! On se casse. Ah oui, c'est vrai, c'était toi! Il va pas nous donner de l'aide, l'autre débile là? On a plus de dialogue du tout là. Ok. Meurs. Tiens. Et encore. Ouais, c'est bon. Ah, bonjour. Ok. Je suis pas à l'intérieur du... Putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Tiens. Ok. En grimpe parfait, c'est parfait. Il est où? Il s'est barré. Non mais on est où?
Je sais pas s'il y a, s'il y a des trucs derrière moi. Ok. Ok. Quoi que j'ai loupé. Fuck! Mon bouclier sans elle se sert, j'ai régénéré. Je voulais monter sur ma glace, ça a pas marché. Putain! Ok. Coucou! Il est où? Et paf! J'ai loupé. Oh, fusil à pompe de loin? Le fusil à pompe de loin? Il est là! Viens là! Le fusil à pompe de loin! Ça aurait pu mieux se passer, mais on est toujours vivant. C'est mais fermé là? Excusez l'inexpérience de mon jeune porteur de lumière. Il apprend. Ah, je l'excuse. Ok, et bah du coup, il faut que je refasse ça, et encore une fois, et encore, et encore, et encore, et encore, et à chaque fois, il y aura une nouvelle track, et puis ce sera marrant et tout. Ok, c'est la nouvelle manière de parvenir à ses fins, bien sûr. Et ben ça m'a l'air intéressant, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a qu'à faire ça, j'ai envie de dire. À chaque fois que j'en fais. Bon, je vais pas faire pas record à chaque fois non plus, mais. Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils foutent là, bordel? Oh! Attendez, ça c'était un bon endroit ça. Ouais, ça c'est un endroit pour terminer une vidéo ça. Et voilà! Donc. Fuck. Alors. Donc là du coup c'est ça. Hein. En gros, il faut falloir que je charge la paille. Une fois que je l'aurai, on va mettre un autre gars, genre. Savek. Et après ce sera Doularat. Et puis après ce sera Xilox. La chaussure qui respire. Et il faut que je le parle. Ah, il faut que je lui parle. On va lui parler. On peut lui parler, on va pas se gêner. On va lui parler après, on pourra terminer cette vidéo enfin parce que ça fait quand même 52 minutes. Finalement, on est un peu dans les temps. Hein. Je pensais qu'on allait mettre beaucoup plus de temps, mais ça va. On est dans les temps. C'est parfait. C'est complètement parfait. Alors, c'est quoi du coup la quête? Crack des courroucéens, en gros. Ouais, c'est ça. Bon, bah, on va le mettre en titre YouTube et on va encore avoir 200 vues. Let's go. Je sais pas si vous avez remarqué quand même, mais moi je l'ai remarqué qu'il y a une vidéo sur ma chaîne sur Destiny 2 qui s'appelle juste Parvenir à ses fins. Il y a 200 vues, et les autres vidéos que j'ai fait sur le pass, elles ont pas ce nom-là. Bizarrement, elles font moins de vues. La vidéo suivante, elle en a fait 2. Ah bon, bah écoutez, hein, ça arrive. Hein. N'hésitez pas à mettre des vidéos en arrière-plan au cas où, hein, si vous en avez marre. Si vous n'avez pas non plus tout regardé. C'est pas toi que je veux regarder en fait. Excusez-moi, mais. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, j'espère que vous me rapporterez la tête du haut célébrant. D'accord. Bonjour, monsieur! Le corbeau vous fait un sourire en coin, beau travail, vous avez vite compris. Mais c'est que le début. Il reste encore beaucoup de courroucéens plus dangereux que celui-là. Il vérifie le viseur de son arme. Alors mettons-nous au travail. Continuez à charger la pas et équipez-le de mods pour déverrouiller des tracks de courroucéens. Majuscule, en plein milieu d'une phrase. Terminez les tracks pour progresser dans le défi de la semaine du corbeau. Waouh! Et j'ai pas mal de modes de mutation du coup qu'on m'a donné. Ok, bah let's go. Et là on peut pas encore parce qu'on n'a qu'un seul rang de réputation, mais là on peut en acheter. Exclurons les attributs spécifiques, ok. Une armure obtenue sur un courroucéen aura un attribut de force plus élevé. Les armes obtenues sur les courroucéens incluront une pièce maîtresse de recharge ou de vitesse de charge. Ça c'est stylé ça, je vais le prendre. J'ai que ça à foutre. Aura un attribut d'intelligence plus élevé. Un nombre d'unités disponibles par semaine. Et. Plus élevé, excusez-moi. Et les armes obtenues après une chasse aux courroucéens couronnées de succès excluront des attributs spécifiques encore. Ok, très bien. Intéressant. Ok. Et d'ailleurs, du coup, ça donne toujours que de l'XP d'ailleurs. Hein. On est d'accord, ces contrats. Ouais, ça donne que de l'XP. Ok, très bien. De l'XP. Incroyable à quel point ça ne veut rien dire l'XP, mais bref, j'adore le dire. Si, ok, non, c'est bon, je vois ce que c'est. Ok, bon, bref, du coup,
Bah on a tout terminé, c'est parfait. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, ouais. On s'en sort plutôt bien. On est littéralement à 55 minutes, c'est la durée habituelle. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo sur ce pass de combat vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Destiny 2 ou sur d'autres jeux quand même, parce que bon, on va pas non plus faire une chaîne uniquement sur Destiny 2 quand même. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Oscur. Salut!